Donc, merci et bonsoir à tous. Oui, quand notre président m'a demandé si je pouvais assurer une conférence un petit peu au pied levé, j'ai tout de suite pensé à quelque chose dont on parle finalement assez rarement dans la numismatique de l'Empire romain, alors qu'il s'agit de quelque chose vraiment de proprement romain qui n'a pas d'équivalence dans le monde grec c'est euh, la numismatique liée aux jeux séculaires. Les jeux séculaires, alors là je vous ai mis une belle gravure du XIXe siècle, qui est censée représenter un sacrifice au bord du Tibre, euh, à l'extrémité du champ de Mars, au lieu dit Tarentum, sur lequel je reviendrai, où avait lieu euh, de façon assez spécifique une bonne partie des, des rituels religieux liés aux jeux séculaires. Alors, les jeux séculaires, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut repartir de la conception que les Romains se faisaient de l'éternité. C'est pour ça que j'ai intitulé la conférence Roma Eterna. C'est que l'éternité vue de l'Antiquité romaine n'est pas l'éternité telle qu'on la conçoit à l'époque moderne, et je dirais même médiévale à partir... De la doctrine chrétienne, ça n'est pas euh, la perpetuita, ça n'est pas un, un, trop, un temps continu euh, illimité. Pour les Romains, l'éternité, c'est comme une horloge cosmique, c'est euh, l'emboîtement d'un certain nombre de cycles, des cycles journaliers, le jour, la nuit, tout le monde comprend, les mois, euh, les années, euh, les lustres. Cette, ce groupe de cinq années qui était très important dans la pensée romaine, et les siècles, sur lequel on reviendra, à la convention de siècle pour les jeux séculaires. Et je vous ai mis là deux monnaies, une de Vespasien, une d'Adrien, j'aurais pu en mettre vingt autres sur le même thème, qui vous montrent que la représentation de l'éternité, de la, la déesse, ou du moins l'entité qui figure l'éternité, est accompagnée de la tête du Soleil et de la tête de la Lune, une avec le croissant, la couronne radiée, l'autre avec le croissant, pour bien montrer que l'éternité, c'est le jeu, précisément, du Soleil et de la Lune, le Soleil chaque jour, la Lune chaque nuit, les mois qui sont à l'origine toujours lunaires, puisque Menzis... En latin, ça, ça revient d'un vieux thème indo-européen qui souvent euh, est porté par des divinités. Ce sont des lunaisons. Les mois sont des lunes au départ. Les années sont plutôt vues sous l'angle solaire. Et euh, donc, ces deux multiples, que sont le lustre de 5 ans et le saïkulum, mais qui va avoir un double sens ce qu'on va voir, un sens de 100 ans, comme nous, nous le concevons, mais aussi de 110 ans. Alors, les jeux séculaires, c'est quelque chose qui date euh, de l'époque de républicaine, et euh, en fait, c'est des, des choses qui arrivaient à la fin d'un cycle, à la fin d'un siècle, pour clore un siècle et en ouvrir un nouveau. Il y avait un rituel euh, qui euh, a varié, mais avait des, des comment dire un certain nombre d'éléments euh, fixes. Et le premier élément le plus impressionnant quand on connaît la religion romaine, c'est que les jeux séculaires, quand ils ont été créés sous la République, euh, étaient dédiés aux dieux infernaux, à Dispater et à Proserpine. Or, les Romains entraînaient des relations extrêmement distantes et teintées de beaucoup d'inquiétude avec les divinités infernales, plus encore que les Grecs. On évoquait très, très peu les dieux infernaux. Quand vous regardez le limque, le lexicon iconographié, mythologie et classique, euh, euh, vous avez très, très, mais vraiment très peu, une poignée, une demi-main de représentations, de dispatères et qui sont souvent dans des tombes. Et ces jeux étaient précédés par une annonce solennelle, plusieurs mois avant, avec des crieurs publics, qui employait toujours la même formule, qui disait que les, les citoyens de Rome allaient assister à des jeux que nul n'avait vus et que nul ne devait revoir. Autrement dit, ceux qui les avaient vus un jour étaient déjà tous morts et ceux qui les verraient aujourd'hui seraient tous morts quand les jeux suivants arriveraient. Alors, cette tradition, elle est connue textuellement euh, sous la République. Les Jeux apparaissent au troisième voire quatrième siècle, mais on a terriblement peu d'informations sur les Jeux républicains. On commence à avoir vraiment des informations avec Auguste, parce qu'Auguste, dans son travail de consolidation et de refondation littéralement de la Respublica de l'État romain, auquel il donne un cours nouveau, mais auquel il veut réaffirmer un fondement républicain, auguste a fait refaire en quelque sorte des jeux séculaires idéaux euh, comme il a repris un certain nombre de vieux cultes qui étaient tombés en désuétude il s'est appuyé sur les prêtres mais il leur a aussi donné une teinte idéologique qui est bien augustéenne et à partir d'auguste les jeux séculaires vont se teinter d'une idée beaucoup plus positive celle de d'annoncer on espère une, un nouveau siècle de prospérité alors que sous la république il s'agissait souvent de finir un cycle qui avait été marqué par des catastrophes et par la crainte de la disparition de Rome. Donc, on va avoir cette période ouverte par Auguste et qui va s'enrichir, en tout cas sur le plan numismatique, par un cérémonial qui sera repris par Domitien et les Sévères, Septimes Sévères. Mais il faut savoir qu'à ces jeux d'Auguste, moins 17, euh, 17 avant Jésus-Christ, qui vont être pris 110 ans après, grosso modo, etc., va venir s'intercaler un autre cycle de 100 ans, fixe lui, qui correspond aux anniversaires de la fondation de Rome. Euh, la date de fondation de Rome a varié sous la République, mais Auguste a fait adopter le compute de Varron, et pour Varron, euh, la, 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 Loups, euh, la Rome a été créée le 21 avril 753 avant Jésus-Christ. Donc on restera sur cette base. Et cette date va permettre des anniversaires centenaires, quand Rome aura 800 ans, 900 ans, 1000 ans, qui euh, seront repris par les empereurs en, en, au pouvoir à ce moment-là. Donc un double compute, pour résumer. Un compute de 110 ans. Pourquoi 110 ans et non pas 100 ans Parce que les Romains avaient quand même observé que dans des cas très rares, il y avait des grands vieillards, déjà dans la Rome antique, il y en a qui sont cités, même à l'époque d'Auguste, et que des hommes, euh, des êtres humains, pouvaient dépasser l'âge de 100 ans. Par contre, ils ne connaissaient pas de cas d'êtres humains ayant dépassé 110 ans. Donc 110 ans étaient considérés comme la durée maximale possible d'une vie humaine. D'où la formule, les jeux que vous allez voir, nul ne les a vus et nul de ceux qui les verront ne les reverront. Voilà. C'est l'impermanence des bouddhistes à la mode romaine, si je puis dire. Et il va y avoir des jeux de 100 ans qui sont liés aux anniversaires de Rome, typiquement 48 de notre ère, 148, 248 et 348 d'une autre façon. Alors l'organisation de ces jeux est confiée à un collège religieux, bien connu à Rome, les Quidessemvir, les euh, Sacris Faciundis, c'est-à-dire les 15 hommes chargés de faire les choses sacrées. Et il est présidé par l'empereur, très fréquemment, ou par l'un de ses proches. Par exemple, Auguste et Agrippa étaient membres des Quidessemvir, Septime Sévère et ses fils en étaient membres et Domitien aussi, et lui présida les Jeux probablement seul. Le Sénat ratifie l'autorisation, toujours ex, sen ex senatu consulto, l'autorisation de faire les Jeux séculaires, leur date, en général au mois de, de juin, et leur budget. Et la date est ensuite annoncée au peuple par voie d'affiche, et surtout par ces fameux crieurs publics, praecones, qui se baladent dans les rues. Alors, dans le rituel tel qu'il est en tout cas établi par Auguste et repris ensuite, on a 110 matrones, c'est-à-dire des femmes euh, de la bonne société, des femmes plus ou moins patriciennes, de familles nobles, qui sont convoquées pour participer aux cérémonies. De même, il y a 54 enfants, 27 garçons et 27 filles qui doivent être de statut libre, c'est-à-dire pas des pas des esclaves, pas des enfants d'esclaves. Et ayant chacun leurs parents en vie, il y a une idée de passage des générations, et qui sont sélectionnés pour défiler en cortège dans les rues de Rome et chanter un grand chant religieux qui a été composé spécialement pour les Jeux séculaires d'Auguste par le grand poète Horace. Et on a ce texte du Carmen Séculare du chant euh, des Jeux séculaires. En préliminaire, avant la cérémonie, dans les jours qui précédaient, euh, les quid de et l'empereur en tête, on va le voir sur les monnaies, distribuaient aux citoyens de Rome des, euh, des objets pour purifier leur maison, pour purifier la ville, des torches, du soufre, du goudron, ce qu'on appelle les suffimenta ou purgamenta. Et ils devaient, euh, chacun dans sa demeure, purifier pour cette, ce grand moment de fermeture d'un cycle et de réouverture d'un autre. Moment toujours dangereux. Quand la grande horloge du cosmos termine un tour, on se demande toujours si elle va redémarrer normalement. Et c'est le propre de la pensée cyclique. Les Celtes, de leur côté, les Indiens et tout, avaient le même genre de pensée. C'est un vieux fond indo-européen. En retour à cette distribution d'objets de purification, les citoyens venaient porter au quid des camvirs, et donc à l'empereur, si, les frougues, c'est-à-dire des offrandes en blé, en orge, en fèves, qui étaient destinées précisément à rémunérer les prêtres, à les nourrir, à les payer symboliquement. Alors voilà, je vous ai résumé sur ce tableau les, le double compute, les jeux séculaires qu'on connaît à gauche, du cycle de 110 ans, euh, ceux d'Auguste, qui va refonder en, en disant voilà, c'est l'idée du siècle d'or. Non seulement on en a terminé des calamités, symboliquement évidemment, plus de guerre civile, plus, etc., mais on, on, on rouvre un nouveau cycle qu'on espère toujours prospère et fécond. Et ce sera pris, euh, repris par Domitien, puis euh, en en 204, donc 220 années, deux fois 110 après Auguste, et euh, on ne les fêtera pas par contre 110 ans après, ce qui, pour les auteurs tardifs, sera la cause du déclin et de la ruine de Rome, précisément parce qu'on n'aura pas fait les Jeux séculaires. Et de l'autre côté, vous avez les Jeux de 100 ans. On va finir par Jeux séculaires, on confond les deux, en fait. Mais c'est quand même deux cycles un peu différents. Les, les cycles euh, fondés à partir du IVe siècle et euh, qui seront repris en réalité, nous on a de témoignages qu'à partir de Claude, pour les 800 ans de Rome, Antonin, euh, et surtout, bien sûr numismatiquement, on va le voir, c'est considérable, Philippe l'Arabe, pour les 1000 ans de la fondation de Rome. Voilà. Et un, comment je pourrais dire, un dernier surjon, un dernier acte qui ne sera pas, dans le rituel normal, puisqu'on est devenu chrétien entre-temps, mais qui aura une traduction numismatique tout à fait manifeste pour autant. Alors, ce rituel, le rituel principal, se déroulait sur trois jours, euh, à plusieurs endroits, voyez, au Capitole, au Palatin, mais surtout dans ce lieu très particulier, qu'est le Tarentum, c'est-à-dire cet hôtel euh, souterrain au départ. Qui était au bout du champ de Mars, sur les bords du Tibre, et qui était un hôtel souterrain dans lequel on ne faisait les rituels que de nuit et où en général on sacrifiait des animaux de couleur noire. Souterrain, nocturne, couleur noire, on avait affaire aux dieux infernaux. Et c'est pour ça que les, ce rituel était très cadré et n'était euh, utilisé que dans ces grandes occasions. Alors, si vous voyez, vous regardez l'Holocauste, 9 agnels et 9 chèvres noires. Bon, au Tarentum toujours, 27 offrandes non sanglantes, donc des gâteaux et des pâtisseries. Mais voyez, 9, 3, 3 x 3, 3 x 3, 9, 3 x 9, 27. Il y a une triplicité, 3 jours de rituel. Et c'est là, je pense, l'origine dont j'ai trouvé aucune mention sinon des 27 garçons et des 27 filles. Du, du, des enfants qui participent au cortège euh, rituel. Alors, euh, voilà. Alors, je, je mettrai, euh, on, on s'arrangera, je pense, avec Karim, je mettrai, euh, dès que possible, en, en ligne le PDF sur euh, le site de la Sénat. Donc, ceux qui veulent le regarder ou le télécharger le pourront. Hein, voilà. Traduit évidemment en français, je vous ai pas mis le texte latin, le fameux Carmen Secularé euh, d'Horace, hein, qui, qui est mort en moins 8 et qui donc a composé euh, ce chant à la demande d'Auguste une dizaine d'années avant. Alors, c'est un texte qui en latin est réputé être très, très beau, très, très bien rythmé, très bien composé, et c'est un texte mythologique que chantent alternativement ou ensemble les filles et les garçons sous la conduite du pontife et ce chant sacré célèbre avant tout Diane et Apollon, mais vu surtout sous l'angle des luminaires Sol et Luna et sol pour les garçons, Luna pour les filles. Mais comme on veut obtenir comment dire la prospérité, la fertilité et la fécondité pour Rome, D'autres divinités sont plus ou moins euh, associées. Il y a Junon, en partie judée, Junon Lukina, qui est citée euh, carrément euh, dans la, la première intervention des Vierges. Voilà, Lucine, ou bien encore déesse de la naissance, c'est à toi de produire, de multiplier la prospérité des Romains. Donc, ces rituels ont aussi pour cause de reproduire la société romaine. Il y a un nouveau temps, et que dans ce nouveau temps, de nouvelles générations de Romains euh, arrivent au monde et développent la ville. Et on le verra, ça peut avoir une traduction numismatique. Bon, Donc, ce, ce chant a lieu, on en a le texte, ce qui est quand même quelque chose de, de fort utile pour comprendre le sens de tout ça. Et maintenant, on, aborde, on commence à aborder la numismatique. Alors, sous Auguste, on a des fondamentaux qu'on retrouvera euh, après. Et qui sont les basiques, j'ai envie de dire, de la numismatique des jeux séculaires. Tout d'abord, on a l'annonce des jeux. Euh, je vous l'ai dit, ça se faisait en février ou, ou mars, euh, et vous aviez ces personnages avec ce déguisement très particulier un bouclier rond, un caducée ailé et un casque portant des plumes. Et c'était les membres normalement du collège des donc des prêtres, qui se baladaient dans les rues et qui annonçaient aux Romains, en faisant des arrêts devant tous les grands temples et tous les lieux clés de la ville, citoyens, vous allez voir un spectacle que euh, celui qui l'a déjà vu n'est pas là pour en parler, nul qui l'a vu n'est là, et ceux qui le verront bientôt ne verront jamais les suivants. Ce qui va poser un problème, on l'évoquera tout à l'heure, dans un cas précis. Et l'autre Horéus uh, d'Auguste nous montre la distribution des Vous euh, Voyez, c'est marqué Aug souf p. C'est-à-dire que c'est et, et, et représentant les prêtres, c'est Auguste lui-même qui, qui donne aux citoyens le souffle ah, pour pouvoir préparer le rituel dans leur euh, maison. Et ça, ça se fait euh, un certain nombre de jours, euh, juste avant en fait. Ça se fait une semaine en gros avant euh, le début des, des, des cérémonies sacrificielles. Et vous voyez sur la monnaie, il est marqué loud.s sur le, le tribunal où est, est installé Auguste. C'est donc loud.s, c'est Il y a aucun doute, on sait à quoi on a affaire. Voilà. Deux autres monnaies qui constituent pour Auguste dont les jeux ont été certainement déjà très développés, puisqu'il a, il a relancé et amplifié le rituel. Les témoignages numismatiques sont très clairs, mais sont finalement peu nombreux. Il y a en gros ces quatre monnaies, et la, la troisième qui est frappée à Colonia Patricia, ce qui est quand même intéressant, parce que euh, les jeux séculaires n'avaient lieu strictement que dans le cadre de Rome. Alors, bien sûr, ça engageait la vie de tout l'Empire, qui est vu comme une amplification, une extension de l'Ourps de Rome, mais euh, il n'y avait pas de rituel des Jeux séculaires dans les villes de province. C'est lié territorialement à Rome. Et on voit que l'atelier euh, de Colonna, Colonia Patricia en, en Espagne a frappé euh, des monnaies où on voit Auguste euh, sur un autel avec le, le prêtre euh, héros, le praïko, en face. Donc, c'est une façon de symboliser tous les sacrifices ayant eu lieu, ramenés à une image simple. Et enfin, euh, dernière monnaie, euh, qui compte, nous avons des jeux d'Auguste, euh, la plaque commémorative, le cipe ou la, la, la borne, portant le fait que l'empereur César Auguste a fait les jeux séculaires et que les queens d'Ekemvir, voilà, Sacra Faciendus, 12, vous avez leurs 15 SF, euh, étaient de la partie, ce qui est bien la moindre des choses, puisque euh, Auguste présidait ce collège. Voilà. Alors, en 48, en 48 après Jésus-Christ, une chose intéressante, parce que les sources, vous euh, voyez, il y, y, y a Pline et Suétone, parlent clairement. Des, des jeux organisés pour le 800e anniversaire de Rome par Claude Ier. Et Claude, qui était un érudit, faut jamais l'oublier, on a là toujours l'image désagréable de Claude comme un homme qui bégaye, qui bafouille et qui boite. Claudius, bon, évidemment, le boiteux. Mais Claude, si c'est traité sur l'Étrusque, et, et la langue étrusque nous avait été conservée, passerait pour un très grand intellectuel du niveau de Julien ou de Marc Aurèle. Donc Claude, en tant qu'historien de la Rome antique, il était, dit Mais Auguste a devancé, c est, c est, il, a, il a collé quand ça l'a rangé les deux séculaires, en fait, moi, j'aimerais qu'on les fasse pour le 800e anniversaire de Rome. Et donc, il a demandé pour les 800 ans de Rome, à ce que les jeux soient euh, organisés. Seulement, si vous regardez les dates, on est en 48 après. Les jeux ont eu lieu en 17 avant. 48 plus 17, bah, ça fait une longue date, mais des gens qui étaient enfants ou adolescents ont pu voir les jeux d'Auguste et étaient toujours vivants sous Claude. Donc quand le Crieur a commencé à se balader à Rome en disant, ceux qui l'ont vu ne sont plus là pour le voir, etc. Il y en a qui ont dit, excuse-nous, mais moi, je m'en souviens très bien, j'avais 10 ans, j'avais 15 ans. Donc, le, 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 les connaissent qui se baladaient pour annoncer les Jeux ont été moqués, euh, se sont fait, euh, euh, non pas insultés peut-être, mais quand même, on dirait charriés par la population de Rome pour ces Jeux qui n'arrivaient pas si tard par rapport aux précédents. Alors, un point important qu'on va retrouver après, en 47-48, juste avant les Jeux, Claude prend la fonction, la magistrature la plus élevée symboliquement, de censeur, c'est-à-dire qu'il recense la population de Rome, il fait le bilan de l'Empire. Et on verra que Domitien va faire la même chose, c'est-à-dire qu'avant de passer l'anniversaire des 800 ans, Claude, en tant qu'empereur, veut faire le bilan de, du développement de la société romaine. Il fait un grand recensement des hommes, des biens, dans toutes les provinces. Il révise les statuts juridiques. Il fait comme une remise à neuf de la société romaine pour affronter les 800 ans. Alors en 47, donc peu avant, nous, on, nous, on nous dit qu'on a exhibé un phénix. Je vous rappelle que pour les Romains, il n'est censé en avoir qu'un vivant à la fois. Il meurt, il brûle et il, il, se, il renaît de ses cendres. On a exhibé un, un, un phénix sur, sur le forum et euh, c'est consigné dans les actes de, de la ville de Rome. Et vous avez Pline qui n'y croit pas un instant et il fut même apporté à Rome pendant la censure de l'empereur Claude l'an 800 de Rome et exposé au commissium, fait attester par les actes, mais c'était, personne n'en douterait, un faux phénix. Alors je ne sais pas quel oiseau un peu exotique on avait ramené d'Orient, puisque c'est un oiseau oriental, le phénix, et on avait affublé pour qu'il ait l'air de ressembler à un phénix. Et enfin, en 1948, Claude organise bel et bien des jeux séculaires pour les 800 ans de la Fondation de Rome, mais très curieusement, il n'en tire aucune traduction numismatique. Nous n'avons aucune monnaie de Claude qui fait référence à ces jeux séculaires. Voilà. Alors, nous arrivons ensuite aux jeux séculaires de Domitien, qui eux se cadrent par rapport plutôt à ceux d'Auguste, évidemment. Et là, même chose, on voit que Domitien a, a retenu malgré tout la leçon donnée par Claude, c'est-à-dire qu'il est plusieurs années de suite, avant les jeux séculaires, censeur. Hein, je vous ai mis une belle monnaie où il porte le titre de censeur. Qu'en sort perpetuus, parce qu'il n'a pas été censeur une année, comme c'était souvent le cas. Il s'est mis censeur pendant un nombre d'années suffisant pour véritablement remettre des cares, en tout cas selon ses critères à lui, qui était membre de quelle classe, du Sénat, etc., comment on, on, on levait l'impôt, et, et toutes sortes de choses. Donc, Domitien s'érige en censeur pendant quatre ans avant. Les jeux séculaires. Mais ensuite, on a en 88 les jeux séculaires. Et là, vous allez voir, c'est un régal numismatique, parce que d'une part, il va reprendre ce qui avait été chez Auguste, à sa, à sa manière à lui, les basiques, comme je vous l'ai dit, le Praeco qui se promène dans les rues de Rome et qui annonce que les jeux vont avoir lieu, et ensuite le même Praeco avec un une, comment dire, un candélabre. Candélabre, pourquoi Parce que le candélabre, c'est un, un chandelier. Ça permet de mettre des bougies pour éclairer quand il fait sombre. Or, je vous rappelle que l'essentiel des rituels les plus importants des jeux séculaires ont lieu la nuit. Donc, le candélabre est là pour cette raison. Et un cip euh, disant voilà, euh, lors du euh, euh, 14e consulat. De l'empereur, les jeux euh, séculaires ont été faits. Et vous voyez en dessous le même genre de choses qu'on avait euh, sous Auguste, euh, sauf que là, on ne fait plus référence directement au Quidecemvir, mais évidemment, ils sont dans l'affaire. Mais c'est euh, après qu'on a cette magnifique numismatique, et quelque chose maintenant, je pense, de, 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 de connu et d'apprécié de beaucoup de collectionneurs qui est cette vaste série de bronzes, en particulier de sesterces, qui vont nous montrer dans le détail un certain nombre des cérémonies. Vous avez Domitien, alors ça on l'a déjà vu pour Auguste, mais là on a le grand format des, des, des bronzes, que sont des grands bronzes que sont les sesterces. Vous avez Domitien comme euh, patron du collège des des qui distribue sur une estrade, situé au Capitole, on a le temple du Jupiter Capitolin derrière, les suffimenta, donc les, 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 les matières qui vont servir à purifier la maison de chacun, et on voit un père en face et son fils, son fils qui est en la tenue des, des, des enfants qui participent aux cérémonies religieuses qu'on appelle les enfin, Camillus, Camillus pour les garçons et Camillia pour les filles, qui serait un peu l'équivalent et peut-être l'origine d'ailleurs sur le plan du... Du, du catholicisme romain, des enfants de chœur dans la religion romaine. Et de l'autre côté, sur l'autre sesterce, vous voyez le phénomène du retour, c'est-à-dire que les citoyens, en retour de ce qu'ils ont reçu, apportent à Domitien comme représentant du collège des prêtres qui vont faire les rituels les frugesses, et lui les fait déposer dans des paniers qui sont situés devant lui sur l'estrade. Ensuite, nous avons deux moments euh, très importants symboliquement des Jeux séculaires qui nous prouvent bien que le rituel d'Auguste qu'on connaît à l'époque d'Auguste a bien été repris, voire développé. Nous avons à gauche euh, quelque chose qui se passe le 2 juin dans le. le le rituel, puisqu'en gros les jeux séculaires ont toujours lieu entre dans la nuit, ils commencent dans la nuit du 31 mai au 1er juin et vont jusqu'au 3 juin. Et on a l'empereur à gauche qui euh, lève un bras parce qu'en fait il dirige la prière de toutes ces femmes que vous voyez à genouiller, levant les bras vers lui. Il ne leur distribue rien, mais il dirige la prière des matrones. Parce que les matrones doivent réciter une prière très spécifique et il y en a 110 de matrones, c'est-à-dire autant que les années du grand siècle qui voient la vie humaine la plus longue pouvoir avoir lieu. Donc on voit vraiment un rituel affûté, j'ai envie de dire, euh, comme, une, comme le serait quasiment une cérémonie pontificale de nos jours. Et de l'autre côté, on voit Domitien au Palatin. Avec un second personnage, euh, je ne sais pas qui c'est, c'est un autre euh, membre éminent du collège des Coudécamvire certainement. Et devant lui, on a des enfants qui s'éloignent en levant les bras. Et en fait, ce sont les garçons et les filles. Là, on voit deux garçons et une fille au centre qui vont chanter dans les rues le fameux Carmen Secularé, le chant euh, des jeux séculaires euh, composé par Auguste. Un siècle, plus d'un siècle auparavant. Et ici, nous avons un bel aperçu des rituels. Hein, dans le seul, la pièce de gauche, nous avons les sacrifices non sanglants aux iliti parce que bien sûr, Dispater et Proserpine sont euh, en première place, en particulier au bord du type, dans ce fameux sanctuaire du Tarentum, mais d'autres divinités secondaires ont leur rôle à jouer dans cette affaire. Et là, on a Domitien qui fait les rituels, et on sait que ce sont ceux-là parce que ce ne sont pas des rituels sanglants. Vous voyez qu'on ne sacrifie aucun animal hein, sur le, le cesterse de gauche. Et on a un personnage couché qui est le dieu tibre, qu'on reconnaît euh, tout à fait, semi-couché. Donc on sait qu'on est au tarentum pour la partie du sacrifice qui n'est pas sanglant. De l'autre côté, on a le sacrifice d'une vache, et le sacrifice de la vache euh, a lieu au Capitole et non au Tarentum. Et euh, la vache est sacrifiée à Junon-Régina, ce qui, évidemment, euh, est normal puisque Junon fait partie de la triade capitoline. Donc, euh, elle est euh, tout à fait à sa place. Et ça continue. On a euh, là la représentation du sacrifice, euh, toujours dans la nuit. Hein, ça commence même par ça. Euh, des, des agnels et des chèvres au Tarentum, et, et les chèvres et les agnels noirs. Et, et elles sont sacrifiées, nous disent les textes, au moires, au moires ou si vous préférez, au Parc Et c'est très important, parce que les trois parcs, il y en a une qui file, qui, qui fabrique le fil de toute existence, le fil de chaque vie humaine, mais aussi le fil de la vie de la cité de Rome. Il y en a une autre qui lui apporte son destin. Est-ce que le destin sera bon de cette vie et puis il y a la troisième, vous la connaissez, la terrible Atropa, qui coupe le fil et qui entraîne la mort. Donc ces divinités très inquiétantes, mais qui dominent le destin individuel et collectif, on commence par elles dans les sacrifices euh, des jeux séculaires. Et puis, de l'autre côté, vous avez une représentation du sacrifice euh, au palatin. Qui est non sanglant. C'est un sacrifice à base de, de gâteaux ou de, de libations et non pas de, de sacrifice d'animaux. Cela étant généralement réservé. Enfin, il y a eu Junon Regina, mais sinon c'est réservé au Tarentum. Et enfin, le plus rare de tous et qui était peut-être le plus inquiétant d'ailleurs, parmi les derniers sacrifices, vous aviez. Euh, toujours au Tarentum, mais là vous voyez que le personnage euh, semi-couché euh, a de la poitrine, ça n'est plus le dieu fleuve, c'est la terre mater, c'est la terre mère, parce qu'on sait que dans la nuit du 2 au 3 juin, on sacrifiait une truie pleine, c'est-à-dire une truie qui portait des porcelets, donc qui était en pleine gestation, on la sacrifiait, et pour bien montrer qu'on allait au bout du rituel, L'ensemble du corps de la truie et des fœtus qu'elle portait était calciné, était entièrement brûlé, ce qui n'est pas la façon de sacrifier à Rome, où on donne la part des dieux qu'on fait brûler sur l'autel et le reste de la viande, tout le monde la consomme. Le sacrifice sanglant, dans l'Antiquité gréco-romaine, est aussi un moyen de distribuer dans des repas collectifs de la viande et des protéines, j'ai envie de dire. On ne brûle pas les animaux. Là, on fait une exception. Parce que, un, il s'agit des dieux infernaux, et, Dieu, et deux, on veut tellement détruire cette image de fécondité qu'est la truie pleine, qu'on la confie aux dieux pour que les dieux fassent retour, c'est-à-dire rendent la même fécondité en retour. La religion romaine est basée sur le principe du do ou des, je te donne pour que tu me donnes. Voilà. Donc et enfin, une chose qu'on apprend aussi, un peu par les textes et différents éléments, c'est que après les rituels qui duraient de la nuit du 31 mai 1er juin jusqu'au 3 juin, donc là, on fermait les jeux séculaires au sens propre du terme. Mais il y avait ensuite d'autres jeux, des jeux classiques, c'est-à-dire qu'on en profitait de ce grand événement pour donner des, des courses de chars pour donner des spectacles dans l'amphithéâtre, et en particulier des chasses avec des animaux sauvages, ce qu'on appelle les huenaciones, les chasses. Et on sait que dans le cadre des Jeux de Domitien, il euh, y a eu quelque chose de particulier dans ces Jeux qui ont suivi les Jeux séculaires, c'est l'apparition du rhinocéros. Le rhinocéros n'est pas un animal habituel euh, des combats euh, d'hommes contre ou d'animaux entre eux ou d'hommes contre des animaux mais là on a euh, euh, deux euh, comment dire deux éléments des épigrammes de martial qui ne nous laissent aucune, euh, aucun doute hein. Et martial nous explique que euh, c'était un rhinocéros qui faisait ses premiers débuts dans le cirque j'ai applaudi le rhinocéros impérial, donc c'est bien Domitien qui l'a donné. L'ours l'ours eut son tour et j'ai chanté l'ours pris dans la glu comme un habitant de l'air. Donc Martial nous dit bien que Domitien a offert un rhinocéros et que c'était les grands débuts, c'est-à-dire que un animal qu'on n'avait pas vu. Et on nous reparle euh, de rhinocéros dans un autre passage de Martial où il dit carrément que le taureau n'était qu'un mannequin, c'est-à-dire que le taureau le plus puissant qu'on a trouvé s'est littéralement trouvé euh, éjecté, si je puis dire, par le rhinocéros. Et effectivement, je pense qu'aucun taureau ne ferait le poids contre une charge de rhinocéros. Mais donc voilà un autre témoignage numismatique indirect, mais quand même des jeux de 88. Maintenant, on va passer nouvelle occurrence des jeux. Qui suit euh, 220 ans après ceux d'Auguste, ce sont les Jeux euh, de l'époque sévérienne. Je ne sais pas qui a un téléphone. Bon. Euh, et euh, ces Jeux séculaires de 204 sont remarquables. Parce qu'à la fois, ils s'inscrivent dans la suite, puisque, encore une fois, ils ont attendu exactement le comput nécessaire pour faire deux fois 110 ans par rapport à Auguste, ce que n'avait pas tout à fait fait euh, réalisé Domitien, mais ils sont vraiment marqués par la personnalité de la famille sévère. Pourquoi Parce que euh, les sévères, euh, je vous le rappelle, sont la première dynastie. Totalement non-romaines, si on peut dire, à régner sur le trône impérial. Les Julio-Claudiens étaient des patriciens romains de la plus belle eau. Les Flaviens étaient des, romains, des Italiens, des Romains d'Italie. Et les Antonins étaient des, des, des Espagnols et des Italiens, et des descendants espagnols de souche italienne. Les, les Sévères sont un mélange d'Africains du Nord et de Syriens africain du Nord puisqu'il est né à Leptis Magna septime sévère et quant à Julia Domna sa femme et mère des, des, des jeunes empereurs elle est la fille du roi prêtre Demezz c'est donc une pure syrienne et ce côté provincial de la dynastie qui a plein de traductions sur d'autres plans va se trouver sur les monnaies par le fait que vous voyez d'emblée les jeux séculaires sont placés sous le patronage, de deux dieux qu'on n'a jamais vu associés aux, dieux, aux jeux séculaires jusqu'à cette date, qui sont Hercule et Liberpater. Liberpater, c'est-à-dire la version romaine, en quelque sorte, de Dionysos. Et pourquoi ces deux dieux-là Eh bien, on va en avoir la réponse dans la suite de la numismatique des jeux séculaires. C'est parce que ces dieux, on nous le dit déjà dès le début du règne, avant les jeux séculaires, ce sont les dieux protecteurs, des dieux augures protecteurs de qui bah De Septime Sévère. Vous avez directement dit Patrii, les dieux du Père. Pourquoi bah Parce que ce sont les dieux protecteurs de cette zone d'Afrique, de l'Eptis Magna, d'où vient. C'est carrément, enfin, on pourrait dire presque des dieux ethniques euh, de l'origine de Septime Sévère. Et du coup, vous voyez qu'au moment des Jeux séculaires de 204, on a le fameux. Cible qu'on retrouve toujours, lors du consulat, euh, les jeux séculaires ont été faits, mais qui veille sur la, 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 la plaque commémorative D'un côté, euh, Hercule, et de l'autre côté, euh, les, euh, Liberpater, qui est vraiment montré en pur Dionysos avec son thyrse et sa panthère. Voilà. Alors, on va avoir une thématique euh, toujours des jeux séculaires. Euh, un peu amélioré, un peu modifié, euh, sur le, le denier en haut, vous voyez les trois empereurs assis qui distribuent les suffimenta. On a le panier et on a cette distribution, mais là, Septime Sévère qui est au centre, est accompagné de ses deux fils. Et de la même façon, même si ça n'est pas un marqué euh, des jeux séculaires, alors que le premier a quand même la légende, « Felicitas Seculi", la félicité du siècle, le bonheur du siècle, ce qui montre bien le lien au jeu séculaire. Dans le second, on, on a simplement l'empereur les, 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 et ses César et ses fils, l'empereur et ses fils et césars consuls. On a Septime Sévère de face, qui est rarissime, avec euh, à sa droite, donc à la gauche pour nous, euh, Caracalla, euh, qui porte une couronne de laurier et son frère de l'autre côté qui n'en porte pas. Voilà. On a quelques représentations, alors pas aussi spectaculaires et nombreuses que sous euh, Domitien, mais on voit quand même euh, des sacrifices. On a euh, en haut, enfin en haut à, droit, à droite, avec la légende sécularia sacra, donc on peut traduire par les rites séculaires, une scène de sacrifice. On voit Septime Sévère avec ses deux fils, c'est pour ça qu'ils sont trois, trois sacrifiants. Euh, Faisant le sacrifice aux iliti, donc le sacrifice non sanglant, euh, sur, les, sur les bords euh, du Tibre. Et en bas, là, on a Sévère, non plus avec ces deux garçons, mais avec, le, le si j'ose dire, la, la présence d'Hercule et de Liberpater. Et toujours la Terra Mater qui est euh, à gauche de la pièce et la pauvre truie qui attend d'être sacrifiée et entièrement brûlée. Dans euh, la cérémonie euh, rituelle. Voilà. Alors, je vous mets cette pièce juste pour vous montrer que on peut avoir un sesterce de Septime Sévère, on peut avoir aussi un sesterce de Caracalla. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le fils peut remplacer le père. On a euh, toujours cette idée euh, de la collégialité euh, du, de la famille impériale. du des souverains régnants où l'un peut prendre la place de l'autre. Enfin, on a cette pièce pour laquelle on n'a pas d'absolue certitude de la date, mais que beaucoup de numismates, quand ils ont réfléchi sur cette monnaie, place avec cette magnifique représentation du Cirque Maxime, vue de profil, place juste à la suite des jeux séculaires. Hein, parce que, frapper en or, pour distribuer en or une représentation du cirque maxime, faut que l'occasion festive ait été de tout premier ordre. Or, à cette époque du règne, que nous indique le style de la pièce, il n'y a guère que les jeux séculaires. Voilà. Enfin, les femmes. Parce qu'évidemment, les jeux séculaires, oui, il y a les macrones qui défilent dans les rues en priant. Mais comme c'est une affaire de prêtres officiels, les Cui euh, les femmes n'y ont pas de place en théorie. Sauf qu'on voit là apparaître, on le reverra ensuite, euh, pour Philippe l'Arabe, on voit quand même apparaître de façon discrète mais signifiante les femmes de la famille impériale. Vous avez en bas à droite un magnifique aureus de Julia Domna où elle est présentée en déesse cybelle, hein, parce que si on regarde la déesse sibylle de près, elle a la coiffure de Julia Domna, et Mater Augustorum, c'est-à-dire normalement, la déesse sibylle est appelée Mater Deum, elle est la mère des dieux. Et là, on voit qu'en lieu et place de la mère des dieux tirée par son quadrige de lion, on a Mater Augustorum, la mère des empereurs, et c'est Julia euh, Domna. Donc, euh, on pense que c'est dans la mouvance des jeux séculaires. Et encore plus étonnant et intéressant, le rarissime Oreus de Plotir, Plotir la femme de Caracalla, et qui célèbre la Juno Lucina, la Junon protectrice des naissances, dont parle spécifiquement le Carmen euh, Secularé d'Horace. Donc on se demande s'il y a eu un enfant qui serait mort, comme très souvent, même pour les enfants d'empereurs, en bas âge. Euh, à ce moment-là, ou en tout cas, il y a une allusion à la déesse des naissances qui ne peut guère prendre place euh, d'un point de vue temporel que dans cette période aux alentours des jeux séculaires. Voilà. Et maintenant, j'en arrive, si j'ose dire, au gros morceau, enfin à l'autre gros morceau de numismatique après euh, Domitien, qui est euh, le, le, les jeux du millénaire de Rome. Parce que bien sûr, si chaque siècle de la ville était quelque chose d'important, le fait d'arriver au Milan ans de Rome est quelque chose de, euh, de presque stupéfiant pour ceux qui écrivent euh, dessus euh, à cette époque où. On n'a pas de texte de l'époque, mais disons rétrospectivement à partir de sources qu'ils avaient, les auteurs du Bas Empire et que nous, nous n'avons plus, qui ont parlé de cette époque. Donc on nous parle dans plusieurs sources que Philippe l'Arabe, euh, qui a euh, fait la paix avec les Perses, fondé la ville de Philippopolis en Arabie, c'est-à-dire en actuelle Jordanie, il est venu à Rome, il a fait un lac artificiel et il a célébré des jeux de toutes sortes le millénaire de Rome. Voilà. Et euh, on nous dit dans Eutrope, ça c'est Aurelius Victor, Eutrope, encore plus tardif, nous dit « Sous leur règne, à Philippe et son fils, fut célébré l'an de la ville de Rome avec un grand appareil de jeux et de spectacles. » Tous les deux furent ensuite tués par l'armée, c'est la fin un peu pitoyable du règne de Philippe. Et, euh, là, on a le pseudo-aurelius victor ou paul rose, donc toujours des sources tardives. mais on nous parle dans les deux fois des jeux séculaires, alors de façon très limitée euh, chez le pseudo-aurelius victor, qui nous montre juste que le fils était plus sérieux que le père, qui n'avait pas le droit de rire. et euh, chez paul rose, une, on insiste euh, sur le fait que les jeux, voilà. Euh, le millième année depuis la fondation de Rome fut accomplie, et c'est par des jeux magnifiques que cette année anniversaire, la plus auguste de toutes celles qui s'étaient écoulées, fut célébrée par un empereur chrétien. Alors ça, c'est un dada de l'époque de vouloir nous faire croire que Philippe l'Arabe était un chrétien. Ce qui, s'il l'avait été, ne lui aurait pas permis de faire les jeux <laughs> des séculaires de Rome, qui sont des rituels on ne peut plus païen. Mais bon... C est, c est, et ça a été transmis ensuite par d'autres auteurs chrétiens. Alors voilà. Et pour commencer les Jeux séculaires, je sors, je sors la plus belle pièce, l'artillerie lourde, si j'ose dire, qui est ce médaillon absolument somptueux, un gros médaillon de bronze, où on voit au droit la famille impériale, qui est en pleine concorde, en pleine harmonie, c'est marqué, Concordia Augustorum, la concorde des empereurs, on a le père, la mère et le fils en face. Et de l'autre côté, on a la légende Seculares Augustorum, les siècles des empereurs. Et on voit cette scène un peu étrange qui, qui, qui nous, peut vous paraître un peu incompréhensible à certains d'entre vous. En fait, c'est le cirque Maxime, mais vu depuis euh, le petit côté, vu depuis le bout hein, du cirque Maxime, l'entrée, la façade. Et qu'est-ce qu'on voit On voit, voit d'abord tourner les quadrilles devant, donc on sait bien qu'on est au cirque, mais. Euh, à la place de l'entrée monumentale du cirque, nous avons un palmier géant, nous avons des, des drôles d'édifices de, euh, un, un peu étranges, un peu primitifs, et c'est bien sûr signifiant. Et regardez bien, on voit deux de ces édifices et ils sont ouverts, ils n'ont pas de porte. Et ça, c'est la référence à l'âge d'or, à l'âge de la création du monde où tout allait bien entre les hommes, où ils n'étaient pas séparés. Et on a là les, les... Il y a plusieurs textes, mais on pense tout de suite, pour les connaisseurs de la poésie latine, aux élégies Tibulle et en particulier à ce moment où il décrit cette période bienheureuse du monde, où tous les animaux vivaient en harmonie entre eux et avec les hommes, où il n'y avait pas de guerre, pas de violence, pas de meurtre, pas de vol, et où il n'y avait pas à se fatiguer pour tirer les fruits de la terre. Tout poussait. Et on n'avait qu'à se servir. Les chaînes eux-mêmes donnaient du miel, nous est-il. Alors, on aimerait beaucoup voir des chaînes donner du miel, enfin bon. Et les maisons étaient sans porte. Pourquoi sans porte Parce que personne n'ayant rien à redouter, on n'avait pas à s'enfermer. Et vous voyez qu'on a schématisé cet âge d'or par des constructions pour les Jeux du millénaire. Alors, ensuite, on a toujours un beau médaillon. Et là, on commence, j'ai envie de dire, à, à rentrer dans la numismatique propre de, des Jeux des Milans, avec cette légende qui aurait pu être utilisée euh, du temps de Domitien, voire d'Auguste, mais qui ne l'a pas été, cette légende nouvelle, Saeculum Noum, le siècle nouveau, avec une scène de sacrifice en haut. Donc là, on se dit, on est vraiment dans les sacrifices des Jeux séculaires, et une nouvelle numismatique par ailleurs, où on voit Rome. C'est-à-dire que comme c'est les mille ans de Rome, au lieu de mettre en avant les, les rituels classiques des jeux séculaires qu'on a vus par exemple sous Domitien, on met l'idée de l'anniversaire de la ville en tant que telle. Et c'est pour ça qu'on voit Rome dans un temple qui, suivant la taille des pièces, est hexastyle ou euh, octostyle, comme on veut, et on voit la déesse de la, la statue de la Dea Roma ensuite, on a le classique cip pour dire voilà, il y a eu des jeux séculaires à un moment. avec là, les dates consulaires des empereurs. donc, philippe le jeune est consul pour la deuxième fois, philippe père est consul pour la troisième fois. et nous avons euh, toujours cette, ce schéma et, aux surprise, stupeur presque, on voit que la mère, otacili, est euh, associée. Seulement étant une femme, elle ne peut pas être magistrate, donc pas de consulat. Donc on lui fait une, un site commémoratif sur lequel il n'y a rien. Il n'y a aucune inscription puisqu'elle ne peut pas porter d'inscription. Et alors, autre innovation, ce très beau sesterce de Philippe qui porte cette fois la légende non plus à Augustorum ou Seculum Novum, mais Millarium Seculum, le siècle de 1000 ans, ce qui est un petit peu contradictoire siècle fait 100 ans là on a un siècle de 1000 ans mais parce que c'est tellement frappant qu'il faut le mentionner et toujours on réfléchit les graveurs, les monnaies, les responsables des ateliers monétaires à Rome qui concevaient les revers, qui concevaient les légendes, toute la réflexion qui a dû avoir autour de ça pour adapter euh, la monnaie, adopter de nouvelles images ou de nouvelles légendes, pour faire évoluer le rituel tout en le respectant. Et enfin, ce que beaucoup d'entre vous doivent connaître, hein, la fameuse série la plus connue euh, des jeux séculaires, la série des animaux, le bestiaire des jeux du millénaire, c'est-à-dire en gros les animaux, pour une partie d'entre eux, qui ont été mis dans l'arène, dans les chasses, le lion. Euh, le, euh, les, le, le cerf, les antilopes, etc. Quand même, en, en, en deux, vous voyez la louve et les jumeaux. Donc là, c'est évidemment Romulus Remus, la fondation de Rome, et ceux-là ne l'ont pas combattu dans l'arène. Le, dans le, dans Mais euh, je vous fais noter aussi que pour la première fois, ce que notent tous les numismates qui s'occupent de l'époque romaine, des monnaies portent des numéros. Et ce sont les numéros des euh, ateliers. Des, ce qu'on appelle les officines, c'est-à-dire si vous voulez les sous-sections de frappe de l'atelier monétaire de Rome. Vous avez là de 1 à 6 avec une attribution fixe des, des ateliers. Euh, en général, euh, Philippe a 1, 2, euh, 5 et 6. Son fils Philippe Jeune a l'officine 3 et Otacili a l'officine 4, l'impératrice, et elle a toujours l'image de l'hippopotame qui lui est associé. Et alors ces Antoniniens sont, sont complétés par de magnifiques bronzes, et ce sont des pièces là aussi euh, assez recherchées, et, mais relativement abondantes. Voilà. Et ça me permet de faire un petit terme connexe, c'est qu'on voit apparaître dans, à l'occasion de ces Jeux séculaires, et pour Philippe et son fils le thème de l'éternité lié à l'éléphant. Pourquoi Parce que l'éléphant est réputé vivre très vieux et que c'est devenu, que c'est l'animal des triomphes superlatifs, hein. c'est les éléphants qui reviennent, c'est les éléphants qui reviennent avec Dionysos des Indes, c'est à la limite l'éléphant vaincu par Alexandre le Grand et le roi Poros dans la conquête de l'Inde. Et on lira, jusqu'à tardivement cette idée de l'éléphant à l'idée d'éternité. Et quand un homme devient éternel, ce qui se produit quand un empereur mort est transformé en dieu, en dious, par la consécration. En général, la numismatique montre, ce n'était pas forcément la réalité, mais la numismatique montre le char de l'empereur défunt, euh, tiens, le char de l'empereur défunt, je ne sais pas pourquoi il me fait ça, euh, voilà, le char de l'empereur défunt, je vais remonter, tiré par des éléphants. On a euh, le, euh, du Vespasien, par exemple, Divus Vespasianus, on a quatre éléphants qui tirent la statue de Vespasien. Voilà, alors, vous voyez que le thème sera repris. Alors, il existe déjà, je vous ai mis en bas à gauche, justement, pour Faustine. Faustine Mère, une fois devenue une, une diva, eh bien, elle est tirée par des éléphants. Et Maximien euh, à, à Lyon reprendra, euh, je dis Maximien, ça aurait pu être Dioclétien, mais en tout cas, euh, sous la tétrarchie à l'atelier de Lyon, ce terme de l'éternité des empereurs sera, euh, ou, de la, ou des siècles des empereurs, les deux existent, seront repris avec le thème de l'éléphant. Alors, ce qui est formidable, c'est euh, les séquelles, ou je préfère dire les répliques, comme un tremblement de terre. C'est que ces jeux de 248 ont dû être tellement extraordinaires. Et l'idée même pour les Romains qui étaient très sensibles à cette idée de l'éternité de Rome et de sa, du fait qu'elle était menacée en, en, en permanence, cette éternité, ces jeux de milan et ces mille années ont frappé les esprits. Et il se trouve que ceux qui n'ont pas pu y assister, si j'ose dire, en ont quand même été marqués et les ont réutilisés. Et le cas, évidemment, le plus singulier c'est celui j'y pense un peu tardivement mais j'ai normalement un, voilà j'ai normalement un pointeur mais je vois pas l'impression qu'il pointe grand chose euh, voilà Donc, ouais il est il est vraiment faible j'ai un pointeur euh, pacassien, que vous voyez en haut à gauche là qui est un usurpateur de la fin du règne de Philippe l'Arabe. L'un de ceux dont l'usurpation va finir par entraîner, par, par ricochet, euh, l'assassinat de Philippe. Eh bien, lui, il frappe quelques monnaies à Viminacium, sur le Danube, et il frappe l'image de Rome, et il met cette légende ahurissante à la Rome éternelle pour sa, son mille et, ses mille et un ans. C'est-à-dire qu'il a loupé les mille ans. On est en deux... Ouais. Mais il, euh, puisque les Milan se sont terminés en avril euh, 248, hein, elle était née le, on est, on, on fermait la millième année. Donc lui, c'est bien encore 248, mais vers la fin de l'année, il, il a loupé. Donc il met à Rome éternelle en 1001, histoire de dire j'y participe à ma manière. Le règne suivant, alors le règne cette fois reconnu à Rome d'un grand empereur qui sera le premier empereur romain à mourir au combat. Qui est Trajandès, euh, à Antioche, donc on n'est pas à Rome, mais on est dans un grand atelier, quand même, euh, et un atelier impérial d'Orient, frappera le Seculum Novum pour euh, euh, Trajandès. De même, le règne encore suivant, celui de Trébonien Gall, 251-253, on verra encore ce thème, donc on, on est quand même 3-4 ans après le millénaire. Mais on voit que euh, l'aura la, la, de ce millénaire persiste. Et enfin, un peu comme pour Pacatien, on aura Uranus Antonin, qui est également un usurpateur syrien. Alors lui, directement, probablement, ses monnaies produites dans la ville d'où était originaire la dynastie euh, sévérienne par la mère, par Julia Domna. Il frappe avec toujours l'image du cible, son premier consulat, et il met « Sécou à Aug. Alors, avec euh, éventuellement un H qui est mal fait, un A qui est un peu fait en H, ce qui est un, un classique euh, chez les graveurs de la partie grecque de l'empire quand ils veulent écrire en latin. Voilà. Et <coughs> les successeurs plus lointains, on aura à à, en Asie, dans dans l'atelier d'Asie, sous euh, Gallien, règne seul. Une reprise d'un animal du bestiaire, un, un cerf, comme il y a le bestiaire à Rome, mais au lieu d'avoir euh, la légende du temps de Galien, on aura la reprise de la légende Les siècles de l'empereur, qui font référence directement à Philippe l'Arabe et à sa numismatique. De même, on aura la reprise du CIP avec la légende Sécoula euh, au moment de la fondation de la Tétrarchie à Lyon en 293 et en Angleterre, où carosius l'usurpateur non reconnu par les Tétrarques, mais qui lui veut absolument s'agréger aux Tétrarques et, et se mettre dans leur roue en quelque sorte, célèbre aussi. Et là, on a l'idée que ce gouvernement collectif qu'est la Tétrarchie inaugure une sorte de renouveau de l'Empire. Alors là, on arrive malheureusement à la, à la fin… Euh, des, à peu près des témoignages numismatiques, mais, quoique, on arrive surtout au problème de la chute de Rome. Et je vous ai mis un extrait, et en gros, Zosime, qui écrit son histoire nouvelle tardivement, c'est quasiment byzantin déjà, en grec, en plus, écrit « L'Empire romain aurait conservé sa puissance sur tout le monde qui nous est connu, le kouméné, mais parce qu'on a on a négligé les Jeux séculaires depuis que Dioclétien est rentré euh, dans sa vie privée en démissionnant et en entraînant Maximien euh, en, en 305, et on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas fait ce qu'on aurait pu faire 100 ans après 204, donc au moment où Dioclétien a décidé de rendre l'Empire et de redevenir un simple particulier. Mais plus grave encore, on n'a pas fait, en 314, là où on aurait pu le faire, c'est-à-dire 110 ans après Septime Sévère, on n'a pas fait les jeux. Et là, c'est Constantin et Licinius, et surtout Constantin, qui était dans la part occidentaliste, dont dépendait Rome. Et voilà, on nous dit... C'est à cause du peu de soin que ce prince eut de célébrer les Jeux séculaires, c'est ce qui est la véritable cause du mauvais état où nos affaires en sont réduites. Donc, euh, on va revoir ça, euh, au final, cette réflexion sur le temps et l'éternité menacée de Rome. Alors, il se trouve qu'en 348, c'est le 1100e anniversaire de Rome. Les deux fils de Constantin survivants, Constant et Constance II vont fêter ces 1100 ans, mais sans faire de jeu séculaire. Ils ne peuvent pas puisqu'ils sont chrétiens. Mais comme par hasard, ils font une grosse réforme de la monnaie de bronze, qui est la monnaie la plus courante qu'utilise la grande majorité de la population, et font apparaître avec de, nouveaux, de nouvelles dimensions de monnaie, de nouvelles dénominations. Font apparaître toute une numismatique assez euh, glorieuse, avec une unique légende sur toutes ces bronzes, qui est Feltem Reparatio. Il y a deux traductions possibles, mais disons Felicium Temporum Reparatio, le retour des temps heureux. Toujours un peu le mythe du retour de l'âge d'or. Et on voit, euh, en particulier, vous voyez sur la pièce en haut à gauche, vous voyez que l'empereur qui mène la barque de l'État, avec la victoire qui, qui fait le, le, le gouvernail derrière, qui le guide, porte un phénix sur un globe dans sa main. Donc, on a bien le terme de, j'ai envie de dire, de l'éternel retour, le retour de, des siècles et sous la houlette de la dynastie constantinienne, puisque Constantin a été souvent, pas par les chrétiens, mais par tous les autres, comparé au phénix. Et ses fils ont repris volontiers cette comparaison les concernant. Et vous avez. Euh, non, là, il, il, voilà. Vous avez. Toc. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Voilà. Bon. Je n'ai pas de problème pourtant ici. Je me demande si ce n'est pas le. Voilà. Ça veut bien revenir. Voilà, le retour des, des, des jours heureux, des temps heureux. Et là, par contre, je n'arrive pas à faire passer le... Je n'arrive pas à obtenir... Hein? Voilà, on est revenu. Voilà, et on a toute cette numismatique qui nous montre la gloire des empereurs, des empereurs qui sont... Toujours vainqueur des barbares. En haut, vous voyez, en haut à gauche, le cavalier perse, c'est le fameux bronze au cavalier tombant, qui renvoie aux victoires ou simili-victoires de Constance II contre les Perses, quelques années plus tôt. Et euh, du côté occidental, si j'ose dire, vous avez Constance, son frère, qui lui tire un germain hors de la hutte, ce qui est amener le barbare à la civilisation. Et vous voyez la différence entre l'empereur cuirassé et le petit germain insignifiant euh, qui l'amène euh, aux lumières de l'Empire. Et enfin, dans cette série, les pièces les plus petites nous montrent les demi-majorinés, nous montrent euh, le phénix sur le globe ou sur un rocher, et donc on a euh, cette thématique du retour glorieux, euh, de l'éternel retour euh, de l'oiseau cyclique. Qui lui-même correspond, par sa cyclicité même, à l'idée de l'éternité de Rome qui se décline en siècles. Alors, on arrive ensuite à la fin. C'est-à-dire que on sait qu'après, il ne pouvait vraiment plus y avoir de, des, des jeux séculaires parce que. Le titre même de grand pontife avait été abandonné par les empereurs chrétiens, même s'il a été conservé par de riches particuliers des derniers grands sénateurs païens. Mais on a quand même un indice. Claudien, dans le panégérique du sixième consulat d'Honorius, Claudien, qui était un, un poète de cours, le dernier grand poète de cours à, à, à Rome, a euh, parlé des jeux séculaires. Voilà et cent fois renouvelé sous un nouveau consul, a ramené les jeux, le cercle des années, a ramené les jeux séculaires que ne doit avoir deux fois l'œil d'un mortel. Alors on se dit, ben, il fait quand même une drôle d'allusion, et il a l'air de dire qu'il y a eu quelque chose, même si la cérémonie a pu être privée et symbolique, il y a eu quelque chose dans le sixième consulat d'Honorius, puisque c'est quand même un discours officiel, le panégyrique, et qui ne se permettrait pas d'avancer quelque chose de ce type s'il n'y avait pas un minimum de réalité derrière. Mais on sait que les couilles des Camvir n'existent quasiment plus, euh, donc c'est un peu un mystère que cette dernière allusion euh, comme étant d'actualité au jeu séculaire. Et enfin, pour terminer, je reviens sur ce problème de l'éternité de Rome. Les Romains euh, avaient hérité de la République euh, des présages. Des, euh, un, un, un oracle sibyllin, entre autres, et il y a le fameux présage que vous devez connaître des vautours. Tite-Livre nous explique que quand il a fallu choisir, en gros, qui euh, créerait la nouvelle ville de Romulus et de son frère, ils se sont chacun séparés euh, sur deux collines et que on attendait un signe des dieux. Le signe est venu pour Rémus, c'était six vautours, et pour Romulus, il y en a eu douze. Donc, comme c'était douze au lieu de six, Romulus a pris la priorité, et il tire, en quelque sorte, son droit de fonder Rome contre son frère de ce prodige. Et ensuite, on a beaucoup réfléchi, et un des seuls auteurs conservés, mais d'autres y avaient réfléchi, qui est un, un, un astronome et astrologue romain, qui est Kensorinus, dit, ben, que signifiaient ces douze vautours? Comme on s'est rendu compte très vite, Vettius, donc sous la République, que la ville de Rome avait très bien passé ses 120 ans, 12 fois 10, on s'est dit que les vautours représentaient un siècle. Donc le temps imparti à Romulus et à la ville de Rome était de douze cents ans. Et si vous regardez les dates, vous rendez compte surtout que nous on date d'après Varron, mais sous la République, on, on datait la création de Rome un peu avant, euh, un peu après, mais plutôt un peu avant. On se rend compte qu'effectivement, en respectant le compute de Varon, Rome a eu 1200 ans en 447-448, et l'Empire Rome avait été pillé une première fois en 410, elle a été repillée à plusieurs reprises, justement, dans les milieux du siècle, et que l'Empire d'Occident a eu lieu. Dans l'année 1229 de la création de la ville. Donc, c'est tout de même assez singulier. Et pour terminer, je vous ai mis ce, cette monnaie que tout le monde connaît, hein, évidemment. Le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustus Augustulus dans les sources, le, le, le jeune homme, l'adolescent, qui va régner qu'une petite année à peine, et qui est le dernier empereur de l'Empire romain au sens classique du terme et qui porte le nom de son fondateur. Donc c'est quand même singulier pour les Romains qui étaient férus de présages et de signes que Rome n'a pas survécu à son 12e centenaire, si j'ose dire, et que le dernier empereur portait le même nom que le fondateur mythique de la ville. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors en annexe en annexe, je le dis pour ceux que ça intéresse, j'ai mis l'oracle sibyllin et le détail euh, de tout ce qu'on sait par les inscriptions des frères Arval et, et d'autres choses, du détail des jeux séculaires. Et je pense que je mettrai ça sur le site, donc ceux que ça intéresse pourront éventuellement le télécharger. Voilà, je vous remercie.